escalier pour faire un. Dans quelques minutes, nous allons avoir le délibéré de Philippe. Je crois que d'abord, on tient à vous remercier encore une fois de vous être mobilisé. De vous être mobilisé encore aujourd'hui. On vous en remercie. Aujourd'hui se joue un élément supplémentaire dans ce qu'il faudra bien appeler la bataille contre la criminalisation à deux fois de l'action syndicale. Cette bataille-là, c'est une bataille de longue haleine. Pour qu'on en soit conscient, et on va la porter, et on la portera jusqu'au bout parce qu'elle est juste. Nous allons, pour ceux qui pourront rentrer, nous installer dans la salle pour entendre délibérer. Nous reviendrons après, pour ceux qui sont restés dehors, vous donner le compte rendu. Et je laisse tout de suite. Est mitigé aujourd'hui parce que d'une part le juge a considéré que je devais être condamné et que j'étais coupable pour les faits dont j'avais été condamné et qu'il fallait que je me soumette à la loi, et d'autre part il a donné une condamnation de 150 € d'amende avec sursis qui ne pouvait pas être plus basse en fait, hein. Et ça c'est révélateur d'une justice qui n'est pas dupe de la manipulation et de l'instrumentalisation que fait Sarkozy des lois et de la justice. Et je pense que c'est un premier point extrêmement positif. Ensuite, bon, je savais que en sortant de ce tribunal, la lutte ne s'arrêtera pas sur les marches de ce tribunal, mais elle devra continuer parce que d'autres syndicalistes se trouveront dans la même situation que moi, parce que le syndicalisme, c'est la mobilisation, c'est l'occupation des entreprises, c'est la revendication, c'est la lutte contre la précarité, et que pour ces revendications, la seule solution pour les syndicalistes et les militants des entreprises, c'est de se mobiliser, c'est de faire grève, c'est de se syndiquer, et c'est parfois d'occuper leur entreprise. Et donc, il est inadmissible aujourd'hui de condamner cette action collective. La deuxième chose, et je ne sais pas si on peut l'appeler positive, mais en tout cas, elle aura montré la véritable politique de ce gouvernement,
dans les souffrances que Sarkozy, le MEDEF et l'UMP fait peser sur l'ensemble des salariés dans les entreprises. Et ça, je crois qu'il était nécessaire, dans les entreprises privées comme publiques d'ailleurs, et je crois qu'il était nécessaire de le faire, de le montrer et de le dénoncer. On le voit chaque jour dans l'actualité, à France Télécom, au PTT et dans beaucoup d'entreprises privées. La troisième chose, et ça sera la dernière, et c'est positif, évidemment, c'est un sentiment. Dans ce département et partout en France, il y a des parents d'élèves, des enseignants qui occupent leur école primaire pour défendre leur emploi. Et ça, c'est la plus belle preuve de désobéissance civile et de lutte contre la destruction de notre système social qui puisse exister, et je les engage à continuer. Oui, camarades, cette condamnation, elle est humainement acceptable. Parce que ça veut dire d'abord que c'est la paix qui revient au foyer de Philippe. C'est une famille qui va être tranquille qu'on va arrêter de persécuter. Donc elle est humainement acceptable. Politiquement, elle ne l'est pas. Politiquement, elle ne l'est pas parce que même si il faut noter que le tribunal a reconnu aujourd'hui qu'un acte de syndicalisme visant à occuper une entreprise n'était pas un crime, il l'a dit clairement, même s'il ouvre la porte par cette condamnation à ce qu'on pousse encore pour que les députés, c'est bien d'eux qu'il s'agit, retirent cette loi sur les militants syndicaux, eh bien, on ne peut pas s'en contenter. Parce que ailleurs, il peut y avoir des juges qui lisent le texte différemment et qui condamnent les militants syndicaux à des peines plus graves. Aujourd'hui, ce qui se jouait, ce n'est pas simplement le militantisme syndical. C'est aussi pour demain et pour aujourd'hui le militantisme citoyen, associatif, parce que on peut condamner, Philippe le disait, demain à la même sanction un parent d'élève qui empêche un professeur d'aller à l'école, on peut le condamner. Et on peut le condamner aux mêmes peines que Philippe. Donc ce qui se jouait aujourd'hui, c'était ça. Et donc il faut aller de l'avant, il faut aller plus loin, il faudra qu'on soit là à chaque fois et jusqu'à ce qu'il recule, qu'un militant syndical, politique, associatif, militant des droits de l'homme, eh bien à chaque fois qu'il sera poursuivi pour avoir milité et avoir occupé des entreprises, empêché une activité pour soutenir une cause, eh bien il faudra qu'on soit là jusqu'à ce qu'il recule, parce que cette loi, elle est inique. Merci. Le monde syndical aussi, cette décision, même si c'est la plus faible que pouvait prendre dans le cadre légal qui est le sien, ce tribunal, n'est pas satisfaisante en soi. Elle veut dire, et elle voudra dire pour nous aujourd'hui et demain, qu'il faudra continuer à se battre contre la criminalisation de l'action syndicale, et pour continuer à pouvoir avoir nos actions, nos délégués et nos initiatives syndicales sur tout le champ qui est le nôtre depuis maintenant plus d'un siècle. Mais ceci dit, c'est quand même une pierre dans l'édifice qui ébranle la volonté gouvernementale de brimer et de faire taire, faire cesser de parler les syndicalistes aujourd'hui, dans le monde qui est le nôtre, celui qui met en avant les plus riches contre les salariés et les plus pauvres. Nous faudra continuer ce combat-là, et aujourd'hui, je redis ce qui a déjà été dit, vous avez déjà entendu, quand une loi est mauvaise, on sait comment il faut faire, il faut la changer.